Dans cette vidéo, on va examiner une étude statistique et on va essayer de déterminer de quel type d'étude il s'agit. Alors, on va lire ce qui se passe. Le magasin Cadeaubois vient de recevoir une palette de 100 000 bateaux en bois. L'usine n'est pas en mesure d'assurer que tous les bateaux ont une forme parfaite, mais elle certifie que le pourcentage de jouets défectueux ne dépasse pas 5%. Le pourcentage de jouets défectueux ne dépasse pas 5%, ça c'est important, je vais le, le souligner. Voilà. Ensuite, Randy souhaite se faire une idée de ce pourcentage de jouets défectueux, et comme il ne peut pas inspecter la totalité des 100 000 jouets, il prélève au hasard un échantillon de 10 bateaux. Ça aussi, c'est important. Il prélève un échantillon de 10 bateaux. Il trouve que 10% de ces derniers ont un défaut. 10% de ces derniers, donc 10% des bateaux, des 10 bateaux qu'il a choisis, ont un défaut. Alors la situation, elle est celle-ci, on a la société Cadeau bois qui est donc un magasin, qui reçoit une palette de 100 000 bateaux en bois, donc voilà, ça c'est toute la palette des 100 000 bateaux en bois. Et puis euh, pour euh, enquêter sur le pourcentage de jouets défectueux, comme il ne peut pas inspecter la totalité des 100 000 jouets, il ne peut pas regarder chaque jouet de la palette, ça lui prendrait beaucoup trop de temps, c'est pas du tout pratique. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prélève un échantillon de 10 bateaux. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça c'est les 10 bateaux qu'il a prélevés parmi les 100 000 bateaux. Et parmi ces 10 bateaux-là, il y en a 10% qui ont un défaut. Donc 10% de 10 bateaux, ça fait un bateau. Donc par exemple, c'est celui-là qui est défectueux. Alors ce qui est clair ici, c'est que c'est une étude d'un échantillon. Hein. C'est l'étude d'un échantillon. En fait, on prélève un échantillon pour essayer d'avoir une idée de la proportion de jouets défectueux dans toute la population. On est vraiment dans le cas où on essaie d'estimer un paramètre à partir d'une petite partie de la population qui est un échantillon prélevé au hasard, donc un échantillon aléatoire. Ici, c'est bien précisé que l'échantillon est prélevé au hasard. Alors la deuxième question qu'on peut se poser évidemment c'est euh, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de, ces, de cette étude Parce que là effectivement Randy a pris un échantillon de 10 bateaux et il a découvert que dans, ce 10, dans cet échantillon 10% des jouets ont un défaut. Donc il serait tenté de tirer la conclusion que euh, la promesse faite par l'usine, que le pourcentage de jouets défectueux ne dépasse pas 5%, n'est pas vrai. Hein Donc cette, cette, que, cette affirmation là serait fausse. Mais est-ce que cette conclusion est vraiment légitime En fait, pas vraiment, puisque ici, on a pris un tout petit échantillon hein, de taille 10, c'est vraiment un petit échantillon, 10 sur 100 000. Et la taille de l'échantillon est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Par exemple, ici, s'il avait pris un échantillon de 5 bateaux, il aurait pu trouver un objet défectueux, hein, un bateau défectueux parmi les 5 bateaux prélevés, et donc il aurait conclu que 20% des bateaux sont défectueux. Et en fait, quand on prend un échantillon, il y a toujours une probabilité que dans cet échantillon, le paramètre que vous estimez soit très loin, très, très éloigné du paramètre dans la population totale. Ici, le risque, c'est que la proportion de jouets défectueux dans notre échantillon soit très loin de la proportion de jouets défectueux en réalité dans toute la production. Et en fait, pour réduire ce risque-là, ce qu'il faut faire, c'est prendre un échantillon de taille plus grande, le plus grand possible. Parce que dans ce cas-là, on obtient une plus grande probabilité que le paramètre estimé dans l'échantillon soit proche du paramètre dans la réalité. Donc ici, 10, c'est vraiment une petite taille, c'est trop faible. Euh, il aurait fallu peut-être prendre par exemple 100 bateaux ou plus, ça aurait été encore mieux. En tout cas, dans les prochaines vidéos, on verra comment est-ce qu'on peut euh, estimer la probabilité euh, que le paramètre étudié dans l'échantillon soit proche du paramètre dans la population totale et aussi comment est-ce qu'on peut déterminer la taille minimale d'un échantillon pour que l'étude soit valable. Donc l'idée à retenir, c'est quand même que plus on prend un échantillon de taille élevée, plus on réduit la possibilité que la proportion obtenue d'objets défectués dans ce cas-là soit simplement due à l'échantillonnage, donc à la, à la malchance d'avoir prélevé un mauvais échantillon.